Une zone d'exclusion aérienne doit-elle être instaurée en Syrie afin de sécuriser une partie du territoire? C'est en tout cas ce que réclament les insurgés. Les Américains, eux, hésitent. L'Iran, traditionnel allié de la Syrie, y est en revanche fortement opposé. Nous nous inquiétons d'entendre parler de l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne, a ainsi commenté le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Un tel complot ouvrirait la voie à un conflit militaire. Cela devrait amener tous les pays de la région à être vigilants par rapport à cette agitation américano-sioniste. Depuis le début de l'insurrection, plus de 23 000 personnes auraient trouvé la mort, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG proche de l'opposition. Et puis il y a les dizaines de milliers de civils qui ont fui à l'étranger, comme ici en Jordanie. Mais les conditions de vie dans ce camp de réfugiés sont difficiles. Quand on est entré dans la tente, raconte cette femme, on n'a pas pu dormir à cause de la poussière. En fait, c'était une erreur de venir ici. On est en train de mourir à petit feu. Moi, j'ai des problèmes d'asthme et avec cette poussière, je ne peux pas respirer. Un responsable jordanien a indiqué récemment que les tentes seraient bientôt remplacées par des caravanes. Par ailleurs, le ministre français des Affaires étrangères est attendu ce mercredi en Jordanie. Il est censé manifester le soutien de la France aux réfugiés syriens.